Bonjour, alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de tutoriel sur cette chaîne. Et d'ailleurs, cette vidéo ne sera pas un tutoriel. Ce sera juste une vidéo explicative sur pourquoi j'ai pas fait de tutoriel pendant un moment. Alors, tout d'abord, ça fait déjà un moment que je m'interroge justement sur cette chaîne, sur ce que j'allais pouvoir en faire, sur ce qu'elle allait devenir. Au départ, je voulais parler d'autres sujets. J'ai voulu parler de programmation sur cette chaîne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Python. J'ai voulu parler un peu de tout et n'importe quoi. Je voulais parler de plein de logiciels différents, mais toujours rester dans le format screencast. Et la plupart du temps, parler de logiciels open source. Mais finalement, j'ai décidé pour cette chaîne de me cantonner à Blender. D'ailleurs, de ne faire que de parler de Blender pour cette chaîne. Voilà. Le logiciel qu'on voit en ce moment, Blender. Voilà. Et le système de Grace Pencil que j'utilise pour pouvoir faire cette vidéo. Allô? Donc bah, j'ai décidé justement de continuer avec le logiciel Blender que vous pouvez voir ici. Parce que ça fait 5 ans que je l'utilise et je découvre toujours des nouvelles choses dessus et je le trouve toujours aussi intéressant et je l'utilise énormément pour tout un tas de choses, pour dessiner, pour faire de l'édition vidéo, des éditions vidéo personnelles. Et bah, j'utilise énormément. Enfin, c'est l'un des logiciels que j'utilise le plus. Donc voilà, donc je continuerai à parler de ce logiciel-là, mais j'ai pour parler, parce que j'ai quand même envie de parler de plein d'autres choses, j'ai une autre chaîne YouTube qui est que je viens juste de redémarrer là le jour de mon anniversaire qui était le 6 juin, le 6 juin, voilà, j'ai 31 ans, voilà. Vous dire. Et donc j'ai commencé, je me suis dit que ça allait être le bon moment pour commencer commencer une chaîne que j'avais depuis un moment. Hein, j'avais une chaîne qui je dois l'avoir depuis 2014, mais bon j'ai pas pu publier de vidéo dessus. Non, même avant parce que je crois que cette chaîne-là je l'ai créée en même temps que Blender Coach, mais j'ai jamais mis de vidéo dessus. Donc cette chaîne, donc c'est je vais y arriver. Donc c'est pas ça du tout. C'est YouTube. C'est facile. YouTube, c'était bon quand même. YouTube. YouTube.com/C, je crois. Slash. Et donc là, c'est assez simple. C'est Guillaume. Enfin, c'est simple. C'est simple pour moi, quoi. Parce que je sais, c'est Guillaume comme mon prénom. Et Balu comme mon nom. BA2LUE. Voilà. Donc voilà. C'est ma nouvelle chaîne. Donc sur cette. Pas que je la barre. Sur cette chaîne-là, donc je vais publier tout ce que je peux pas publier sur cette chaîne-là. J'ai commencé par faire deux timelapses sur deux dessins. Très simplement des vidéos où je dessinais comme ça, j'ai filmé, et puis j'ai accéléré. Donc je ferai énormément de dessins parce que c'est le domaine dans lequel j'ai vraiment envie de m'améliorer cette année-là, pendant toute l'année de mes 31 ans déjà. Et je vais essayer de voir justement de faire ces vidéos de dessin. Ça va me permettre de voir mon évolution en dessin durant justement toute l'année de mes 31 ans. Voilà. J'espère arriver à mes 32 ans, avoir un niveau meilleur en dessin. Voilà. Je m'entraînerai tous les jours. J'essaierai de publier une vidéo par jour, une vidéo de dessin. Et ensuite, parler de toute autre chose aussi sur cette chaîne-là, ce sera vraiment la chaîne freestyle, hein. Mais vraiment m'abstenir à faire quand même une vidéo de dessin par jour sur cette chaîne. Même si c'est un petit dessin de merde, je m'en fous, je veux faire une vidéo, au moins une vidéo de dessin par jour sur cette chaîne. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si je la laisserai longtemps en ligne, cette vidéo-là, parce que c'est juste une vidéo informative. J'en ai fait quelques-unes par le passé. Voilà. Donc la chaîne Blender Coach est continue. Pour résumer, la chaîne Blender Coach est continue. Elle va continuer avec des tutos. Donc pareil. Alors, je fais une annonce. Bon, je vais essayer
de faire à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de publier une vidéo jour aussi. Parce que c'est assez rapide en fait à faire une vidéo tutoriel. J'ai juste à lancer l'enregistreur et puis à enregistrer quoi, tout simplement. Donc j'essaierai de faire une vidéo par jour. Pareil sur mon autre chaîne, une vidéo par jour. Enfin du moins une vidéo de dessin par jour. Après je pourrais faire des si je rajoute des vidéos, ce sera des vidéos en plus. Alors je sais que ça peut paraître énorme, mais moi personnellement j'ai envie de me tenir à ce rythme. Voilà, à ce rythme d'une vidéo par jour. C'est pour des raisons personnelles que j'ai envie de m'astreindre à ce rythme. C'est pour créer une habitude, tout ça. Voilà, j'ai lu des livres de développement personnel. Voilà, c'est pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être pensé que c'est trop. Vous avez peut-être, ça va peut-être faire que certaines personnes vont se désabonner. Mais c'est pas grave. Voilà. Hein. J'ai aussi envie d'avoir des personnes qui me suivent pour ce que je suis, pour les choix que je fais. Donc voilà, merci d'être toujours fidèle à mes vidéos après ces 5 ou 6 années, non 6 années même maintenant, ça va bientôt faire 6 ans, au mois d'août ça va faire 6 ans que j'ai cette chaîne, Blender Coach, hein, qui a connu des hauts et des bas en termes de publication, mais qui a tenu quand même, dans la durée, enfin, je veux dire, je ne l'ai pas supprimé. Voilà, merci de me suivre et puis bah, à demain pour une prochaine vidéo.